l'arrose et transforme son lait en produit laitier de puits de garde. Produits laitiers, yaourt, yaourt en noir, et fromage, avec trois types de fromage. En bio, depuis 2012, on a quand même un territoire idéal. Le paysage, pas loin de deux grosses métropoles qui sont Toulouse et Narbonne. Donc, un potentiel de vente important. Par contre, il ne faut pas oublier que le territoire, il faut vivre du territoire. Donc, il faut vendre notre identité et notre qualité. L'Office du tourisme doit pouvoir nous permettre de nous faire mieux connaître et reconnaître au sein du territoire et au sein de la profession. Après, pour se faire connaître et reconnaître, il faut avoir un noyau. Et le noyau aujourd'hui, il est faible. Quoi. Il n'y a pas un gros noyau de producteurs sur le territoire. Mais avec les quelques-uns qu'on est, on peut se servir, enfin, ou pas se servir de l'officier de tourisme pour se faire connaître. Après, la problématique de notre profession, c'est qu'on est toujours en mouvement. Donc, à un moment donné, on a besoin d'être connu et reconnu. Et une fois qu'on a notre marché et notre potentiel de vente, on a moins besoin d'être connu, donc on va pas vers ces lieux de communication.